Depuis le
vendredi, deux personnes ont décidé de se dire oui devant les autorités administratives. Nous étions à la mairie de Cocody, à l'hôtel communal plus précisément, et deux personnes courageuses, parce que le mariage c'est une décision. Tu peux vivre avec quelqu'un et puis ne pas te décider. C'est-à-dire que toi, tu ne prends pas des décisions dans ta vie. Et puis, tu vis avec quelqu'un qui dit, aujourd'hui, moi, je me décide. Il s'agit d'une décision. Dis à ton voisin, décision. Décision. Dis décision. Décision. Et c'est sur le courage qui prend des décisions. Nous allons recevoir l'homme, le marié. Je vous rappelle son nom. Quand je dis Brignon, Biali, Brignon, Biali, il va se faire accompagner. Il y a sa mère ou la représentante de sa mère sous vos ovations. C'est leur jour. C'est le Centre international du plein évangile, Cipe Plateau. Nous sommes dans les locaux de la mairie d'Agamé. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu que Dieu a choisi d'officier ce mariage, c'est un révérend, c'est le président national de l'église et c'est en même temps le pasteur principal de la mission. Votre serviteur, le révérend Philippe Quadio. Alors, vous allez voir sa cote, Miss Côte d'Ivoire, sera là tout à l'heure. Ah, c'est arrivé, mon ok. Ils sont en train de vous lire. Alléluia. Moi, je ne suis pas informé qu'elle a été élue. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pas une double bénédiction. Le responsable matrimonial au niveau du mariage dans cette église, c'est l'ancien Conan Théodore. Donc, si tu es en ce lieu que tu veux te marier, que tu n'arrives pas à te décider, c'est lui qu'il faut voir. Il est un gros cahier comme ça, il est clair. Alléluia. Alléluia. Dans la vie est faite pour avancer. La vie est faite pour changer de position. La vie est faite pour aller de l'avant. Amen. Quand tu es célibataire, quelle que soit la position que la société te pose, la Bible dit que tu dois avancer. Dis à ton voisin, je peux avancer. Je peux avancer. Dis, je peux avancer. Je peux avancer. Chapitre 13 plutôt, du verset 17 au verset 22. Exode chapitre 13, on se tient les deux, s'il vous plaît. Se tient tous debout dans la présence de Dieu pour honorer la parole du Seigneur. Exode chapitre 13 est la colonne de feu ne se retire pas. La présence de Dieu ne se retire pas, ni le jour, ni la nuit. Nous voulons saluer ta présence dans chaque vie, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. On peut s'asseoir. Les mariés, on peut vous asseoir. Deux messages. Donnez-moi
10 minutes pour introduire un message et 15 minutes pour parler aux mariés. Mais en parlant aux mariés, je veux parler à tous et en même temps parler aux mariés. Alléluia. Je vais illustrer les 10 premières minutes par... Viens, viens ma fille. Arrête-toi là. Est-ce que tout le monde la voit? Et le protocole. Imagine-toi qu'elle est habillée comme ça, mais qu'elle ne se retrouve pas ici, elle se retrouve en plein plateau. Et elle a arrêté comme ça depuis 5 heures du matin, en plein plateau. À midi, on vient la trouver dans cette position. À 16 heures, on vient la trouver dans cette position. À 18 heures, elle n'a pas bougé, elle est dans cette position. Qu'est-ce qu'on va dire? Attends, tu as arrêté en plein immeuble plateau et puis tu es là. C'est l'homme ou bien c'est? Tu ne bouges pas. Quelque chose ne va pas. Je prends un exemple. Donc, vous comprenez que si elle ne bouge pas du matin dans sa même position, ça paraît ridicule. Quelque chose ne va pas. Maintenant, la seconde illustration, tourne-toi comme ça, tourne-toi encore, va à reculons jusqu'à la porte. On va dire que ces 25 francs ne font pas 50 francs. On voit tout le monde avancer et puis elle. Non, 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 attends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais prendre bien cet aspect physique pour dire que dans le règne de l'esprit, dans le plan de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu ne doit ni aller à reculons, ne doit ni rester statique. Quand tu es né d'une femme, quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu es fait pour avancer. Si nous voyons que une personne marche à reculons, on trouve que ce n'est pas normal. Donc, quand la vie d'un enfant de Dieu va à reculons, ce n'est pas normal. Quand quelqu'un s'arrête du matin jusqu'au soir et qu'il ne bouge pas, on trouve que ce n'est pas normal. Donc, quand ta vie reste à un certain niveau sans bouger, ce n'est pas normal. Dieu n'a pas prévu ça. Dans le plan de Dieu, tu es fait pour avancer. Abaisse-toi légèrement. Regarde la pointe de tes pieds. Et quelqu'un voit la pointe de ses pieds? Il faut la bouger comme ça. Position de la plante de tes pieds, ça te montre une direction. Ça te dit que tu es fait pour avancer. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, on nous disait quand j'étais petit que les pygmées, je ne sais pas si elles existent, mais on dit que ça tourne comme ça, eux posent comme ça. Le pygmée, il va de contraire. Vous pouvez expliquer votre contraire. Mais un enfant de Dieu, quand tu vois la plante de tes pieds, ça avance. Dieu t'a créé pour que tu puisses avancer. Amen. Tu as choisi Jésus pour que tu puisses avancer. Amen. Tu ne peux pas rester dans une position dans ta vie, le monde spirituel et dans le règne de Dieu, ce n'est pas concevable que tu demeures dans le célibat sans bouger. Amen. Ça paraît ridicule. Quelqu'un qui est au plateau, avec toute sa documentation, tous ses diplômes, et puis il est là. Voilà le bureau où on dépose les dossiers pour travailler. Il a tout là et puis il a arrêté. Du matin au soir, il est là. Il n'y a pas un docteur qui va prendre ce monsieur-là pour envoyer à l'hôpital. On trouve que ce n'est pas normal. Maintenant, comment, enfant de Dieu, nous concevons que ma vie
vie n'avance pas. Et puis on trouve que c'est le plan de Dieu. Ma vie ne bouge pas. On trouve que c'est le plan de Dieu. Dis, je refuse. Dieu n'a pas créé pour que les choses demeurent. Dieu m'a créé pour que les choses avancent. Je disais, regardez une chose. Vous allez vous marier, on va vous bénir. Nous sommes en 2015. Et puis tu donnes 1000 francs à ta femme chaque jour pour faire le marché. Jusqu'en 2020, tu continues toujours 1000 francs. En 2025, tu continues toujours 1000 francs. Tu as un enfant, tu donnes 1000 francs. Tu as deux enfants, tu donnes 1000 francs. Tu as cinq enfants, tu donnes 1000 francs. Tu fais 10 enfants à la femme, tu donnes toujours 1000 francs. On dit non, non, non. C'est pas normal. Les choses ne bougent pas pour toi. Ça ne bouge pas. Oh, ça ne bouge pas, c'est pas normal. On dit, mais attends, c'est quel monsieur ça? Alléluia. Amen. Regardez un autre exemple. Tu donnes 10 000 francs. Ouh, avec quel bon mari. Le mois qui suit, 8 000 francs. Mais qu'est-ce qui ne bouge pas? Dans 3 mois, 5 000 francs. 6 mois, 2 000 francs. Jusqu'en fin d'année, 500 francs. Ah, 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 ah. Quelque chose ne marche pas. Tu vas à reculons. Tu es un pygmée ou quoi? La vie est faite pour aller de l'avant. On trouve que ce n'est pas normal. Je vais interpeller quelqu'un. On n'est pas chrétien pour reculer. On n'est pas chrétien pour rester. Et comment dirais-je là? Dans le même endroit, on est chrétien pour avancer. Voici pourquoi l'homme quitte son père, l'homme quitte sa mère, et l'homme avant, il s'attache à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. On doit pouvoir avancer. Quelle est cette situation? Tu vis bien? Non, non. Mais pas mon épouse est la vie. Je vous avais annoncé que Miss Côte d'Ivoire est là. Comment se fait-il que tu vis avec une femme un an? Vous n'êtes pas marié. Tu fais les choses de marié. On se dit, bon, ça va changer. Tu t'attaches à elle. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Tu ne changes pas la situation. Tu ne fais pas évoluer la situation. Ce n'est pas normal. Si tu es là que tu viens en concubinage, tu dis que ce n'est pas normal. Tu n'avances pas. Non, c'est ma copine. Non, je l'aime. C'est pas comme ça la vie. Dans le règne de l'esprit, c'est pour avancer. Parce que pourquoi? Et pour s'asseoir, elle ne va pas reculer. Elle va tourner comme ça et puis elle va avancer. On ne recule pas pour faire les choses. On marche dans une direction divine. Celle d'avancer. Tu travailles quelque part, on te paye 100 000 francs. Après 5 ans, on te paye 100 000 francs. Après 10 ans, on te paye 100 000 francs. Écoutez, tu as un problème. Tu as un problème. Il faut avancer. Il y a des choses pas concevoir pour dire que certainement c'est le plan de Dieu, certainement c'est le pays, certainement c'est la situation. Le texte que nous avons lu dit dans le désert. Le désert, quelle est la définition du désert? Elle lui arrive où il fait chaud le jour, il fait froid la nuit, il n'y a pas de chemin. C'est difficile. Ça, c'est le désert. Mais la Bible déclare que la présence de Dieu par une colonne de nuée le jour, par une colonne de feu la nuit, faisait avancer les enfants de Dieu. Le désert de Dieu n'est pas synonyme d'un arrêt. Quand tu traverses le désert de Dieu, tu avances. Parce que ce soit le jour, que ce soit la nuit, Dieu permet qu'un enfant de Dieu puisse avancer.
C'est la situation du pays. Ça s'appelle le désert. C'est la situation de la famille. Tout le monde se marie pas dans la famille. Voici pour un mot, Jésus meurt. Non. Pour un enfant de Dieu, tu es fait pour avancer. Tu es fait pour changer pour le meilleur. Ils sont dans le désert et puis ils avancent. Le jour, ils avancent. La nuit, ils avancent. Pour dire quoi? Quand on parle de la nuit, on parle des heures des ténèbres. Mais pourquoi la nuit, ils avancent? Il y a plus de sorciers dans ma famille. Voici pourquoi ma vie n'avance pas. Non. Un sorcier, un démon, les heures des ténèbres ne peuvent pas et ne doivent pas empêcher la famille de Dieu d'avancer. La Bible dit que le peuple d'Israël, le jour, ils avançaient. La nuit, ils avançaient. Ta vie doit avancer. J'annonce aujourd'hui que ta vie doit avancer. Que ta vie avancera. Non. Ce n'est pas une affaire de la situation de ma famille, la situation de mon mari, la situation de ma femme, la situation. Ne te compte pas sur, dans une situation et puis ta vie reste là. Tu fais un bilan. Et quand on fait un bilan, c'est pour avancer. Si je regarde que les choses ne bougent pas dans ma vie, je m'interpelle à moi-même. Nous étions à une veillée le vendredi au deux plateaux et l'homme de Dieu, le bishop Odimba, il disait, il y en a qui prennent une photo. Il dit, tu vois, la jolie femme, tu vois là, ça c'était moi. Avant, j'étais jolie, hein. Avant, j'étais jolie. Ouh, j'étais très belle. Mais avec l'âge, maintenant, c'est ça de me voir comme ça. Qui t'a dit que, avec Dieu, quand on est joli enfant, on est plus joli aujourd'hui, on est plus joli demain? Non! Vous n'avez jamais vu des mémés qui sont bien jolis? Vous n'avez pas vu des bébés qui sont bien jolis encore? Amen. Avant, j'avais trois voitures. C'est même moi, toi, n'est pas plus sérieux. David va à l'équilon. C'est pas le pays gâté, maintenant que je suis dans le bus. Hein? Attends. Et puis tu acceptes ça? Non, non. Avant, je marchais. Avant-hier, je prenais plus. Après, je prends Woro Woro. Vous savez que je me suis après Woro Woro, c'est une voiture bizarre. Voilà, un peu, voilà. Et puis après, on prend un taxi compteur. Maintenant, j'ai ma voiture. Demain, mon épouse aura une voiture. Et puis, après demain, mes enfants ont une voiture. Les choses avancent. Mais on ne conjugue pas hier. Parce que tu me vois joli. Non, c'est maintenant que je suis comme ça. Moi, mon amour, non. L'onction rend toujours jolie. Amen. La présence de Dieu élève toujours. Amen. La présence de Dieu rend toujours jolie. Amen. Non. Quand j'étais marié, j'étais toute belle. C'est maintenant, ça fait 10 ans de mariage que tu nous vois comme ça. Après, non. Donc je dis à la jolie demoiselle qui est là, mon épouse que j'ai présentée, 15 ans de mariage, elle a 41 ans, avec 4 enfants, mais elle rivalise avec les filles de 18 ans. Je vais te dire, le temps ne doit pas dégrader ta vie. Ta vie est faite pour avancer pour le meilleur. Pour le meilleur. Un homme de Dieu m'a vu, et je l'ai pressé quelque part. Il dit, mais on va parler du révérend Kwaku Gloire. Mais c'est toi qui le prends national de l'église? Il dit, oui. Il dit, moi je pensais à trouver un adulte, mais là, vous êtes tout jeune, mais comment vous arrivez à. Il dit, mais comment tu situes la jeunesse? On t'a vu la prendre devant. Je l'ai regardé, je dis, révélant,
Merci d'apprécier ma vie comme ça, mais ce n'est pas comme ça ma vie est. J'ai 45 ans. C'est l'onction qui m'ira comme ça. Donc, l'onction me fait avancer pour le meilleur. Pour le meilleur. Moïse, dans le temps, il avait une vision claire. Il avait la vigueur qu'il faut. Il a dit que plus on vit, on doit marcher comme ça forcément. Non. Écoute, on ne recule pas, on avance. Et on va de meilleur en meilleur. Ta vie ne doit pas rester comme ça. Quand tu es devenu majeur, il y a 5 ans, tu ne travailles pas. Mais quand tu avances, tu dois travailler. Si tu avais 100 000 francs dans ton compte, en fin d'année, tu dois savoir que tu as 340 000. Tu as 5 millions. C'est pas avant mon compte de brûler. Maintenant, le pays l'a fait que le désert n'a pas empêché les enfants de Dieu d'avancer. La nuit, la colonne de feu. La nuit, c'est le temps de la sorcellerie. C'est le temps des ténèbres. Mais la Bible déclare, ni le jour, ni la nuit, les enfants de Dieu continuent d'avancer. Personne ne peut empêcher l'enfant de Dieu d'avancer. Et ça, accepte ça. Ils n'ont qu'à avoir le plus grand sorcier à quelqu'un dans ta famille. Les ténèbres, même quand on ferme les yeux, quand on regarde ta famille, peut-être tout est noir. Mais la Bible dit, une colonne de feu te fera avancer. Et j'annonce ce matin, partout où on t'a tenu, fils, où ta vie n'a pas bougé, où ton argent n'a pas bougé, où ta situation matrimoniale n'a pas avancé, je déclare ce matin à ce mariage que ta vie avance au nom de Jésus. Je déclare que les choses avancent au nom de Jésus. Je déclare que le travail avance au nom de Jésus. Je déclare que ce genre pour le meilleur. Nous adorons un Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il bénit de gloire en gloire. Amen. N'accepte pas cette situation qui dit, bon, peut-être c'est la situation du pays qui fait ça. C'est trop difficile dans le pays. Donc, on ne travaille pas, on ne réussit pas. Je ne peux pas accepter ça. Je refuse. Quand Dieu a fait tes pieds, regarde bien tes pieds. Quand Dieu a fait tes pieds, ça te montre une direction. Quand tu vois tes pieds là, ça montre une direction. Pourquoi on ne fait pas chaussures là comme ça? Pourquoi chaussures on ne fait pas ça comme ça? Pourquoi la route qui te développe, on ne met pas ça ici? Faut pas raser des murs. Vous dites que tu avances. Tu n'es pas encore, tu n'avances pas. Et là, ils font de longs parcours, mais soit tu es rasé des murs. Tu peux, tu avances. Oh, tu n'es pas encore quelque part. Tu sens que tu bouges beaucoup. Tu n'es pas crabe. C'est crabe qui va sur la gauche et qui va sur la droite, mais qui n'avance pas. Tu es lent. Tu es pris à l'image de Dieu. Amen. Tu es fait pour avancer. Tu es fait pour réussir. Tu es fait pour dominer. Tu es fait pour marier. Le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. S'attachera à sa femme. Pourquoi s'attacher? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'il soit détaché? Écoutez un peu bien les chaises là. Votre corps, ça le défend les autres. Il ne peut pas avoir un protocole qui s'assoit juste derrière eux. Cours, s'il te plaît, le malin va s'attacher à toi aussi. Amen. Et voilà, assois-toi juste, mais pas dans tout ce qu'ils ont besoin, tout, il y a tiré ça. Il ne faut pas attraper ça autour de toi. Si jamais la marie doit pas avoir le sujet, c'est ce qu'on doit dire. Alléluia. Donc je dis que l'homme que son père, il dit sa mère, il s'attache.
devient une seule chair. Donc tu comprends que Dieu n'institue pas le mariage pour qu'on se détache, mais plutôt pour qu'on s'attache. S'attacher veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Séverin et Véronique ont une même pensée. Ils s'attachent. Ils sont confondus. Qu'elle devait être une seule chair, il y avait deux bras, ça devient un seul bras. Tu ne peux pas être dans un foyer et puis le monsieur pense à gauche, toi tu penses à droite. Tu ne peux pas être dans un foyer. Viens encore, on va faire une illustration pour que les jeunes couples puissent. Tu ne peux pas être dans un foyer et puis tu dis que tu es attaché à ta femme. Quand on voit ta femme et toi, il y a une ressemblance. Tu es sapé, ta femme n'est pas sapée. Tu as honte, tu dis, il faut espérer. Quand tu déposes sur ton couturier, tu déposes sur sa couturière aussi. On ne reste pas dans le restaurant, dans le maquis seul. Tu manges un gros poulet et tu arrives à la maison. Comment il n'y a pas l'argent, mais toi, ton ventre est toujours comme ça. Le pays est une aide. C'est jamais dit pour ton ventre aussi. Tu es toujours un bon point. Il s'attache, devient une seule chair. On pense réussir ensemble. Dans les cérémonies, on te voit toujours seul. On ne te voit jamais avec ta femme. Je dis à mes collègues pasteurs, vous avez quel problème? Il ne peut pas sortir avec les femmes. Tu as honte. Il faut la maintenir, c'est tout. Non, bon, en fait, quand on sort devant tout le monde comme ça, quand on sort devant tout le monde comme ça, ça te fait quoi? On dit, on devient. Je t'habille en bas, maintenant, je deviens joli. La vie est faite pour devenir. Quand tu acceptes Jésus, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. Quand tu acceptes Jésus, c'est un pouvoir pour devenir. Quand c'est marié au début, on n'avait rien. Maintenant, on est devenu fortuné. On a. Ma femme était bizarre, j'avais envie de sortir avec elle. Mais depuis qu'on s'est attaché, maintenant je sors avec elle. On arrive au salon. Et ta femme? Non, elle, je l'envoyais un peu. Entrez dans la chambre. Les gens viennent, ne sors pas, ne sors pas. Maintenant, la douche n'est pas interne, elle est faite bibi. L'argent. Donc, on prend le signe que tu as dit les invités là, devant. Parce qu'elle doit passer là. Elle te bip, elle dans son argent, elle te bip. Fais attention à toi. C'est vrai, il ne faut pas faire ça. Sors avec la dulcinée. Tout à l'heure, on voit les noms que vous nous avez donnés. Il y avait un mariage que nous avons célébré. Il dit pour moi, ne donnez pas les noms et puis après, on ne voit pas pour vous seul. Mais depuis là, je ne vois pas. Ils ont disparu. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Elle est toute belle, tu es tout beau. Donc tu comprends que dans 5 ans, vous devez venir encore très beau et belle. Votre statut social. Dans 5 ans, ça doit encore changer.
C'est pas une affaire de avant au début de notre mariage. Quand tu vois ma femme, tu dis, voilà femme. 10 ans après, d'autres présentent les femmes comme leur cousine. Fais attention à toi. Tu vas délivrer des hommes. Il s'attachera à sa femme. Vous parlez le même langage. C'est s'attacher. Le même langage. Vous dormez à la même heure. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On se marie pas. On dit s'attacher. Il y a beaucoup de choses à s'attacher là. Tu penses que tu vas te marier enfin déjà? Et rentre dans la chambre à 20h, toi, c'est à 2h matin, tu viens. Tu as quel problème? Va t'attacher à elle. C'est ça, s'attacher. Et la même vision. Ah, on va faire quel projet? Allons, on va chauffer. C'est quel projet encore? Comment vous laissez? Les filles, là. Ma fille, elle explique que pousser. Il faut construire le foyer. Il faut faire avancer le foyer. Il faut faire avancer pour que demain, vos enfants disent que mon père s'est attaché à ma mère, notre avenir est assuré. Amen. Si tes enfants commencent à s'inquiéter de leur avenir, c'est que tu as un problème. Si c'était enfant, il y a longtemps, il devait partir en France. Je ne savais pas ça. Maintenant, vous me faites partir en France. Papa, maman, vous me faites partir en France. Alléluia. Amen. Je vais vous dire, quand deux personnes s'entendent, le foyer fort. Amen. Quand deux personnes conjuguent le même verbe, le foyer fort. Amen. Quand deux personnes s'attachent, ils ont la même vision, la même direction. C'est vrai qu'à la mairie, on vous a dit que vous devez être chef. Chez nous ici, là, nous on dit c'est le monsieur qui est chef. Toi, tu n'es pas sous-chef. Tu es une insemblable. Regardez, souvent quand on est chef, on pense que l'autre est et tu la vacuum, c'est moi le chef. On ne te dit pas de dire dans le foyer, c'est moi le chef. Quand on est chef comme ça, on est chef comme ça aussi. C'est pas dans les yeux, dans les kakis qu'on vient des chefs. C'est pas pour frayer l'autre qu'on dit qu'on est chef. On est chef parce qu'on a su la sécurité. On a su le bien-être. Et la femme n'est pas esclave du mari. La femme est semblable. Quand tu sens que ton mari a été bâti vers la gauche, tu l'es. Parce que pourquoi Dieu t'a mis ensemble. Vous êtes attaché. Avant que ton mari même ne parle, déjà tu vois. Non, ne fais pas ça. Il y a une règle là. Écoute ta femme. Fais-lui aussi des propositions. Allez, ah, moi-même, je vous ai dit, le truc que tu voulais faire là, ça va, ça va marcher, mais tu t'es dit là, ah, mais à ta fête. Bien. Mais voilà ma partie. Ne sois pas des pompiers seulement dans le foyer. Il faut avoir une vision, un discernement pour voir le danger. Mais c'est pas quand c'est gâté maintenant. Allez, ah, mais t'as bien dit, ça là, si il parlait là, tu n'as pas m'écouté. Il faut quand même parler là. Si tu n'as pas écouté, tu dis, je t'ai dit, tu ne m'as pas écouté, mais il ne faut pas conjuguer ce truc-là. Ça là, si il disait ça là, tu ne vas pas prendre. Si je disais, ça tâchera les deux divins, monsieur. Cher, vous êtes tout mignon, tout mignon. Et je prie que votre foyer avance toujours. Amen. Avance toujours. Amen. Avance toujours. Amen. Vous êtes beaucoup d'enfants. Amen.
vision. Alléluia. Et que tous ceux qui m'écoutent pour dire que tu n'es pas fait pour rester dans la même situation à cause du désert qui t'entoure. Ils sont dans le désert, mais ils partent à Canaan. Le désert, il n'y a pas route. Mais pourquoi les enfants d'Israël ont toujours route? Le jour et la nuit, eux, ils avancent. Les mariés, je déclare, quel que soit le désert du pays, le désert de vos familles, le désert de votre mission, du lieu où vous habitez, peu importe. Le jour, Dieu sera avec vous. La nuit, Dieu sera avec vous. Vous allez avancer au nom de Jésus. Amen. La parole du Seigneur. Et si on avance, les mariés, c'est pour vous qu'on avance. Il s'appelle Prégnon Biali Paul Sévérin. Il est serré aussi. Comme un Sévérin. Véronique. Elle emporte la victoire. Alléluia. On va appeler ici à cette chair notre frère Prégnon Biali Sévérin sur nos ovations. Nous allons appeler ici la charmante Dulcinée Kouassi Amena Véronique. Il dit il t'aime, non? Il dit oui, mais d'autres là, il ne parle pas. Il dit, si je travaille, je vais payer ta dot. Mais il ne travaille pas. Il dit, ma fille, on va se dossier, il va travailler. Amen. La vie est faite pour avancer. Amen. Et puis, il a travaillé. Amen. Il dit, faut lui dire qu'il a travaillé d'elle. Ma fille, il travaille, mais pourquoi depuis là, il dit, ah, il a travaillé maintenant même, il ne veut plus, il ne parle pas de dot là. Avant qu'il ne travaille pas, il dit que. Il dit ok. Ma fille, c'est ma bouche qui a parlé et puis il a travaillé, non? Ma bouche va parler, sa langue va se relever, il va trouver une date. Il dit, ne joue pas avec la bouche d'un homme de Dieu. Amen. Ne joue pas avec la langue d'un homme de Dieu. Amen. Quand l'onction est sur la vie d'un homme de Dieu, tout ce qu'il dit finit par arriver. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, on va s'inquiéter. Ah, mais il parle plus de la dot, tout ça. Je dis, mais est-ce qu'il a demandé à Alice la dot? Il dit non. Il dit, reste tranquille, il va demander. On est allé au deux plateaux à un programme national avec le prophète John Bénis. Mais il ne le connaît pas. Il est quitté au Ghana. Il donne pas. Il dit, vous allez au mari, prenez tout. Amen. Aujourd'hui, c'est une confirmation. Amen. Le monsieur qui ne voulait pas parler de dot, il a parlé de dot. La dot a été payée. Est-ce que les parents ou les représentants de la mariée sont là? Est-ce qu'il y a des soeurs, il y a des frères, il y a des parents de la mariée qui sont là? Amen. Ah, vous êtes là? Il a certifié que la dot a été bel et bien. Après, elle dit, ah, mais il ne choisit pas de date pour maintenant. Et puis,
2015, il va te marier, il va choisir la date. Et puis il a choisi la date. Non, il, non. On ne fait pas ça en cachette, tout ça en voie de baisse. L'homme s'attache. Le parent de Kwasi amena Véronique. Si tu consens ou si tu confirmes que la dot a été payée en bonne et due forme, tu vas prendre la main de ta fille et tu vas aller remettre à ta belle famille, à ton beau-père. Ton beau-père. Yodé Wakiri Fena. Si tu es d'accord, prends sa main et puis tu vas le mettre à ton beau-père. Mets ta main comme ça. Voilà. Ce geste est très symbolique. Ce geste que vous voyez est très symbolique. Pour dire, désormais, ma fille est entre mes papa. Est entre mes mon beau. Est entre mes mon frère. Donc ma fille devient ta fille. Tu peux aller à ta place. Maintenant, le beau, tu prends la main de sa belle-fille. Tu donnes maintenant la main. Et tu prends la main de ta belle pour donner maintenant à ton fils. Parce que ton fils t'avait dit, papa, je veux me marier, tu es allé chercher, tu as trouvé, tu lui donnes. Si tu veux vraiment que ton fils marie la jeune demoiselle qui est là, quand t'as confié, tu remets sa main dans les mains de ton fils. Dieu. Les parents sont d'accord. Amen. Le vendredi, le maire était d'accord. Ils ont signé les papiers. Vous n'étiez pas là-bas, vous n'avez pas entendu s'ils ont dit oui, c'était un non, ils ne savaient pas. Prions Biali Paul Séméré. Tu vas prendre une direction comme ça. Tourne-toi comme ça. Kwasi Amena Véronique. Tu vas prendre une direction dans le sens de t'attacher. Comme ça. Vers mari. Ok. Non, mettez-vous sur les. Ça, c'est plus beau, Dieu. Voilà. La jolie demoiselle. Regarde-la, toi, dans les yeux. Si mon Dieu dit oui, personne ne peut m'en. Prégnant, écoutez très bien pour qu'il puisse bien l'écouter. Biali Séméré, veux-tu prendre pour épouse adorée? Veux-tu prendre pour épouse mademoiselle Kwasi Amena Véronique, la chérie avec tendresse, la protégée? Le chef de la maison lui donnait ce que son cœur désire. Prendre soin d'elle maintenant comme dans le futur jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Si tu le veux ainsi, en tant qu'un biali, est-ce qu'on peut entendre
l'affirmation ou bien on voit les balles dehors. Si tu dis non, nous on va se retrouver là-bas, on sait ce qu'on va prendre là-bas. Mais si tu dis oui, on va communier ensemble. Amen. Retenez votre souffle. Le micro est bien ouvert. Donc, monsieur Prégnon Bialik Séverin, si tu as bien entendu, nous voulons avoir ta réponse. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? À présent, c'est pas validé encore. C'est pas validé. Tout dépend. On dit c'est l'homme qui est le chef, mais si elle n'a pas dit oui, lui son oui là. Donc la femme a un pouvoir dans sa bouche. Tu peux t'attacher à moi, mais tant que moi je ne dis pas oui, tu ne peux pas t'attacher. L'attachement dans ta bouche. Mademoiselle, Kwasi Amena Véronique, regarde droit dans les yeux. Pour ne pas qu'on dise, ah, le jour là même, j'ai été influencé. Ah, moi j'ai regardé comme ça, c'est pas de toi, je parle. Tu as entendu son oui? Mademoiselle, Kwasi Amena Véronique, veux-tu prendre pour époux adoré? Vous pouvez m'en dire que la musique n'a pas bien expliqué. Veux-tu prendre pour époux adoré? Monsieur Prégnon Biali Paul Séverin, ici présent. Oui. Je reprends le micro. Je n'ai encore rien dit. Veux-tu prendre pour époux adoré Monsieur Prégnon Biali Paul Séverin, le chéri, avec tant de tendresse. Quand il vient du travail, met ses pieds dans de l'eau tiède. Ça peut être en lui qu'on est là. J'ai fait asseoir le jeune homme à cause de lui précipiter. Ne te précipite pas. Si tu ne veux pas, tu dis tchèque. Ça, ça me plaît. Mais si tu veux, ma fille, augmente l'autre micro. Maintenant, mets le micro si tu veux. On veut entendre la confirmation. Oui. Thank you.
Je vais bénir les alliances. Nous plongeons, Seigneur Dieu, les alliances dans ton sang. Nous les bénissons. Nous les sécurisons dans ton sang. Ce sont des anneaux. Il n'y a pas de fissure. Nous prions que le mariage, que ce futur foyer, il n'y a pas de fissure. Merci pour ton sang qui sécurise et protège et bénit. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous, ici, on l'appelle Véro. D'autres l'appellent Amran. Ça, c'est au niveau de la maison. D'autres l'appellent ma fille. D'autres l'appellent Tanti. D'autres. Bon, pour toi là, comment tu l'appelles? D'autres ont dit pour moi ce. Je ne sais pas si c'est ce que tu vas nous dire. Tu vas t'approcher légèrement vers elle. Et puis tu vois ce toi là. Tu vas dire comment tu l'appelles. Et puis tu vas lui pointer l'alliance. Et tu vas lui pointer l'alliance. Grâce Véro. Grâce Véro. Grâce Véro. Je te offre cette alliance, signe de ma fidélité, de mon amour, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Yes! Sa grâce Véro va parler maintenant. Nous, on l'appelle Prignon. On l'appelle Séverin. On l'appelle Piazzi. On l'appelle Paul. Piazzi. Toi, tu l'appelles comment? Retenez le souffle. Tout le monde arrêtez de respirer. Allons-y. Mon petit cœur. On reprend. Mon petit cœur. Mon petit cœur, je te porte cette alliance en signe de fidélité et d'amour jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Oh, le petit cœur. Amen. Vous avez en face de moi, je dis arrêtez de respirer d'abord. Vous avez en face de moi, tu le vois grand comme ça, mais elle est petit cœur. Donc, je dis, c'est ce que l'enfant veut qu'on devienne, qu'on devine. Son petit cœur. Elle sait comment faire ce petit cœur là. Grâce Véro. Plein de grâce. Vous allez les aider, ils vont se mettre à genoux. Gloire et toute la magnificence. Ce jour est un jour béni, un jour mis à part, que tu as choisi pour que Seigneur Dieu, Prégnant, Diani, Paul, Séméré, et Conan, Amena, je déclare que le ciel vous apporte sa grâce et sa faveur. Je déclare que la faveur qui accompagne le mariage soit dans votre foyer. Je déclare béni votre foyer. Je déclare que
que vous soyez heureux, heureux dans ce foyer. Que tout foyer des ténèbres, liguez comme ce foyer. Et jour, non, que ce jour soit un jour de puissance. Que ce jour soit un jour de grâce. Que ce jour soit un jour de son appel. Je vais vous dire une chose.
Ce que tu prends illégalement, ça, c'est pas du miel. Vous pensez, vrai miel là, c'est qui? Non. Elle a dit le petit cœur. Donc, laisse-toi aller. La Bible me dit, oh, moi je crois à la Bible. Je prêche l'évangile, je crois à ce que la Bible dit. Si la Bible dit que sous sa langue il y a du miel, c'est qu'il y a du miel. Si la Bible dit qu'il y a du lait, c'est qu'il y a du lait. Mais quel est ce lait? Et quel est ce miel? Et comment le prendre? On prend avec cuillère, on prend avec louche. Comment prendre le lait et le miel qui est dans sa bouche? Et qui a autorité de prendre? Qui a autorisé? Moi-même, je ne peux pas aller prendre ça. Je suis pasteur, son père, je ne peux pas aller prendre ça. Papa Yodé ne peut pas venir prendre ça. C'est réservé. C'est du miel réservé. À qui? Au petit cœur de ma fille. Sous vos ovations. Monsieur Brignon va nous démontrer que c'est où vous dites. Chose. Le plus ancien, le plus. Et vous dansez.